Ça y est, j'en ai ras les babouches. Quoi? Jafar, je veux sortir. Tu dois rester dans cette lampe jusqu'à la fin des temps. Tu es un génie, fais-moi sortir. Entendu, entendu. Tes désirs sont des ordres. Oh la vache, ça refoule au niveau des doigts de pied. Oh, c'est fantastique, je suis libre. Je n'ai plus qu'à me trouver un coin sympa où habiter. Oh, à louer. Mais c'est mon jour de chance. Je me demande s'ils ont des lampes à loyer modéré dans ce coin de la caverne. Bienvenue dans l'incroyable, la grandiose, la superbe lampe aux mille merveilles. Hein? Quoi? Oui, mon ami, tu es tombé dans l'authentique lampe de luxe. T'es qui, toi? Moi, la voix de la lampe, je suis là pour te montrer une incandescente parade de merveilles surprenantes. Cette lampe entre nous est un véritable objet de convoitise, surtout lorsque je t'aurais dit à qui elle appartenait autrefois. Au génie d'Aladin en personne. Oui, le légendaire... Le génie d'Aladin? C'est vrai, voyez-vous ça? Attends. Le génie d'Aladin, celui qui nous les crouche-nouffait tout le temps avec son petit mouchoir de poche? Crouche-nouffait? C'est une expression de perroquet. Tout d'abord, le fabuleux vestibule de la gloire et sa foule d'œuvres d'art chatoyantes, bigarrées et inestimables. La vache, regardez-moi cet endroit. Oh, ça doit coûter un max. Oh, je le crois pas, ça. Je le crois pas. Je le crois. Cet endroit est gigantesque. C'est somptueux, c'est spectaculaire, c'est au poil, si j'ose m'exprimer ainsi. Quel endroit élégant pour distraire et amuser tous mes amis! Enfin, si j'avais des amis. Et attends d'avoir vu le lieu où l'on prépare la nourriture. Oh, viens chez papa! J'achète! Quand est-ce que je peux emménager? Oh, agent immobilier désincarné! Comme tu peux le voir, la cuisine est une glorieuse œuvre d'art en soi. Ah, qu'est-ce qu'on mange? Je meurs de faim! Canard! Allons! Attendez, quoi? Eh mais crétin, je suis le futur propriétaire, pas le dîner! Stop! Arrêtez! On peut pas discuter avec les ustensiles de cuisine! Bon allez, stop! Coupez! Non, je voulais pas dire couper! Non, stop! Stop! C'était... Entre nous soit dit, j'étais très attaché à certaines de ces plumes! Notre visite continue avec l'antre du calme, de la sérénité et de l'hydratation cutanée. Le spa. Pour ce qui est du cutané, on m'a déjà gâté. Merci beaucoup. Admire cette opulence, cette débauche d'éclat et de faste. Relaxant et pourtant revigorant. Oui, bon, bah, c'est une baignoire. Mon ancien occupant, le génie, a toujours apprécié les bons bains. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu chaud. Fais voir, je vais tremper un orteil pour vérifier. Tu pousses un peu! Et voici la curative boue de l'Euphrate. Allez, vite. Enlève cette boue! Profite de la délicatesse nacrée des jets d'eau de l'Orient qui te débarrasse de tes tracas quotidiens. Nous devrions peut-être passer à la chambre à coucher. Oui, t'as raison, passons à autre chose. Oui, l'extravagante et majestueuse suite du maître de maison. Et bien sûr, le resplendissant plat de résistance. Controns de ce pas, ou plutôt de cette aile, dans le dressing. D'accord, je dois reconnaître que c'est impressionnant. Non, je sais pas, ça fait un peu trop jet set. C'est quoi cette tenue ridicule? Oh non, c'est nul! Oh, avec un joli sac à main, ça pourrait le faire. Non, c'est n'importe quoi. Mais enfin, c'est quoi ça? Non, je voudrais quelque chose qui mette bien en valeur les plumes de ma queue. C'est... Oh, trop baba cool! Ça a pas l'air très confortable. Ah, je supporte pas les épaulettes! Si je porte ça, est-ce qu'on me file les sept nains en prime? Pour les indécis, la garde-robe magique sélectionnera la tenue idéale qui collera à la personnalité du maître. Tu as peut-être envie de voir le jardin. C'est ça. Si tu veux bien passer par le splendide solarium et la luxuriante serre. Je peux te poser une question? Tu n'arrêtes jamais? Bon, je sais que tu es fier de cet endroit, mais entre être fier et ne pas la fermer une seconde... Ah, y'a qu'une petite minute de silence! Depuis Versailles, on n'avait pas vu un jardin aussi beau, aussi éblouissant, taillé de main de maître pour en faire un écrin vivant. Bon, il faut bien admettre que c'est très joli. C'est une belle composition. Mais c'est... Non, 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 arrête!
La visite continue avec la superbe salle de bal où l'on peut... Une seconde, l'agent immobilier de contrebande. Non mais c'est quoi ce taudis à la fin? On met bouillante, on me traîne dans la boue, on s'habille chez Carioca et maintenant les armes blanches. Oh, j'en ai assez. C'est un vrai cauchemar. Je me tire d'ici. Qu'est-ce que c'est? Selon la légende, tu ne peux pas t'en aller avant que la somptueuse, l'ultra chic, la majestueuse et rutilante lampe ne soit frottée. Attends! Tu es en train de me dire que je suis pris au piège ici? Oui, c'est le mot. Pour te jurer? Oui. Je vais être obligé d'écouter ton insupportable, ton intolérable torrent verbal jusqu'à la fin des temps! Infiniment, éternellement, interminablement, sempiternellement! Hé! Hey, Jafar! Mon vieux copain! Tu m'entends? Oh, je crois que nous allons bien nous entendre. Pas toi? Joyeux, conviviaux, on va bien papoter. Je le sens. Nous aurons d'agréables et longues discussions. À minuit, à l'heure du thé, au spa, à la cuisine. Oh, il faut que je te montre le coin petit déjeuner.